Monsieur Bernard Moustokoza, vous avez été vice-président de la République du Burundi. Vous vivez en exil depuis 2015. Votre maison, Sizamutanga Nord, a été pillée. Avez-vous pu savoir qui sont ces gens qui sont entrés dans votre domicile qui était fermé, qui ont forcé la porte et qui ont emporté tout ce qui s'y trouvait? Je ne peux vraiment pas savoir. Ce n'est que ce qu'on me rapporte. La seule personne qu'on a pu identifier, c'est le procureur général de la République. Et vous vous souviendrez des jugements qui ont eu lieu en 2020. Des jugements qui ont été conduits d'une manière tout à fait irrégulière. C'est ainsi que, comme vous le savez, on n'a pas pu être signifié des inculpations ou des chefs d'accusation dont on nous reprochait. On n'a pas permis à nos avocats de nous assister. Les jugements en question n'ont pas été lus en séance publique, ni communiqués aux intéressés. Malgré cela, nous avons tenté de faire appel. Les appels ont été refusés. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui que ces jugements n'ont pas eu lieu et que nous nous considérons comme étant tout à fait, comment dire, sans reproche aucune au point de vue judiciaire. C'est pas compréhensible aujourd'hui que le procureur général, qui lui-même a été juge, président de la cour à cette époque, puisse procéder à l'exécution de tels procès qui ont eu lieu dans des circonstances tout à fait irrégulières. Aujourd'hui, il ne peut pas procéder à ces exécutions. Parce que nous considérons que ces procès n'ont pas eu lieu régulièrement et nous nous considérons tout à fait comme étant libres aujourd'hui. Est-ce que vous savez où les biens qui ont été pillés ont été amenés? Non, on ne sait pas du tout. Ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont loué des véhicules banalisés au marché de Bujumbura, et que c'est avec ces véhicules qu'ils ont transporté mes biens. Normalement, il y a des procédures de saisie qui doivent être respectées, notamment l'inventaire des biens, la destination des biens, mais tout cela, rien n'a été fait.